Je crois pas. Parce qu'il a trop d'échanges, tu connais, que le vieux monde des autres font. Là, comme cette prière-là, si tu pourrais dire si c'est des protestants ou si c'est du monde qui a confiance à un bœuf, leur bon Dieu, you know, comme un arbre, ils prennent l'arbre, c'est ça, ça prie pour l'arbre. Mais mon monde est né et élevé du commencement jusqu'à la fin, c'est tout des catholiques. Et ça, c'est pas une prière de protestant. Ça, c'est une prière de quelqu'un qui sort, moi je connais pas You, mais c'était dans la famille, ça. Parce que l'autre jour, mon frère a venu, mon frère qui descend arrière, non. Et quand il a sorti de la porte, c'était le soir, il a ôté son chapeau. Et il a fait son signe de la croix. Et j'ai marché à lui et je dis, qu'est-ce que tu sors d'île là? Qu'est-ce que c'est t'as dit? Mais il croyait peut-être, moi je connaissais pas parce que, tu vois, lui, sa mariée, son a été, il a resté dans le Texas tout partout. L'Aster, il est retardé, son ami là. Mais il me dit ça. Mais j'ai dit, tu croyais que c'était juste toi qui connaissais ça. Mais c'est quand la lune est nouvelle. Tu connais? Là, pourquoi ça disait ça? Là, tu vois, vendredi saint, le monde ne fait plus ça, c'est-à-dire. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Mais depuis petite, autant longtemps que je me connais, maman nous prenait et on se mettait à genoux avant soleil levé. Et on se mettait la figure figurée au soleil levant. Et on faisait toute notre prière sur la terre. Et on embrassait la terre trop fort. Parce que, tu connais, c'était quelque chose, je pense, peut-être les églises étaient loin. Tu connais? Mais ça, c'était le thème du vieux monde. Ça adorait toujours la terre que notre Seigneur Jésus-Christ avait peut-être souffert dessus. Mais là, aujourd'hui, c'est tout oublié. Tu ne devais pas manger avant midi. Tu as connu ça. Hein? Aujourd'hui, il n'y a plus de carême. Il n'y a plus à rien. Et maman dit, mon père pouvait partir. Il pouvait rester parti jusqu'à 4 heures du matin. Il est arrivé, se les met à genoux et il répétait ça soir et matin. Il disait une prière en allant à mon lit. J'ai rencontré quatre âmes, deux aux pieds et deux à la tête. Jésus dans le milieu, Saint Jean. Vous n'avez pas vu mon petit-fils Jésus? Oui, je l'ai vu, les deux pieds colloués, les deux bras étendus et le côté ouvert. Celui qui dira ces trois ans trois fois, soir et matin, nous ne verrons jamais la flamme de l'enfer. Acte de remerciement, mon Dieu, je ne suis pas digne que vous venez à moi. Et dites seulement une parole et mon âme sera guérie. You know, those are beautiful prayers. But, well, why don't we teach some of those prayers to the children? En allant à mon lit, j'ai rencontré quatre âmes, deux aux pieds et deux à la tête. Jésus dans le milieu. J'ai pris la Sainte Vierge pour ma mère. Saint Jean, vous n'avez pas vu mon petit-fils Jésus? Oui, je l'ai vu, les deux pieds colloués, les deux bras étendus et le côté ouvert. Celui qui dira ces trois ans, le trois fois, soir et matin, ne verra jamais la flamme de l'enfer. Acte de remerciement, mon Dieu, je ne suis pas digne que vous venez à moi. Et dites seulement une parole, mon âme sera guérie. It's a beautiful prayer. But I bet it's 1 out of 100 who know that prayer today. That was my father's prayer. And Mama said, faisait pas de différence quelle heure,
Il arrivait, il se remit à genoux et il priait pas doucement, il priait fort pour que quelqu'un l'attende. Ça Il fait. va vous dire quelque chose. Elle a pris cette prière-là avec lui. Mais il disait toute sa prière. Mais ça, c'était un an qui ne manquait jamais. Mais il disait ça soir et matin. Trois fois. Soir et matin. À quoi, quelle sorte de choses on faisait sur les jours saints comme ça, comme vendredi saint? Il n'y avait pas d'autres choses qu'on faisait ou il ne fallait pas faire ou... Oh, il y avait d'autres choses que ça ne faisait pas le vendredi saint. Ça ne travaillait pas. Tu fouillais pas dans la terre, tu respectais la terre. Pourquoi ça fouillait pas? Mais d'après moi, j'ai jamais demandé à maman pourquoi ça fouillait pas dans la terre. Mais pareil comme on nous avait toujours montré à faire la prière sur la terre, c'était parce que notre Seigneur Jésus-Christ avait souffert si tant sur la terre. Tu vois, et c'est la même terre. C'est pas la même place, mais c'est la même terre. Tu vois? Et il a passé toutes ses souffrances ici sur la terre pour nous. Là, c'est comme si c'est un respect, on doit, tant qu'on vit, qu'on doit respecter la terre. Et tu vois, quelquefois, genre, c'est drôle, quelquefois, peut-être, de dire des choses comme ça. Mais si tu t'assidais et tu jonglais bien, c'est pas bon de trop jongler à ça parce que tu vas venir fou. Tu connais? Mais quoi c'est qui est plus fort dans tout le pays que la terre? Hein? Pense-toi, tu plantes dans la terre, ça lève, n'est-ce pas? Tout ce que tu plantes, tout ce que tu manges, vient terre. La terre supporte tout ce que tu... Tout ça... If it would cave in, therefore you wouldn't have nothing. C'est un moyen comme le conte pour la neige. Oui. C'est la pâte de la peau. Mm-hmm. Ça finit avec... C'est une histoire, mais ça finit avec la terre. Mm-hmm. Tout quelque chose d'autre n'a jamais été si fort que la terre. Puis c'est vrai aussi. Et mais c'est vrai. Et là, tu vois, et quelquefois, on va d'autres places. On va être à d'autres places. Et on ne jongle jamais à remercier le bon Dieu pour son nom. Tu vas, tu n'as pas besoin d'aller trop, trop loin non plus. Quoi le monde peut élever sur la terre? Ça, il ne peut pas élever du riz. Hein? Tu prends Mississippi, là. Ça ne mange pas grand-chose du riz. La terre, c'est juste la craie jaune. Ça élève du maïs. Le maïs est petit, il est tout comme s'il est chaudé. T'as vu ça? Ouais. Et du coton, ça élève un tas de coton. Mais ça n'a pas d'eau seulement pour dire que ça pourrait élever du riz. Il y en a qui n'ont jamais vu du riz élever. Ça fait, c'est souvent des fois, genre, comment on est béni dans une place que le bon Dieu a mis pour nous autres. Et malgré ça, on ne connaît pas comment l'apprécier. Hein? Mais tu n'es pas dû jongler trop à des choses comme ça, tu en es fou. Ouais. Tu connais? C'est vrai, oui. Là, le monde qui est dans ces autres pays, là, ils sont pareils comme nous autres. Tu vois? Nous autres, on a été nés, élevés ici, dans la campagne. Et tout quelque chose, on dirait qu'on a plus que les autres mondes. Mais on ne connaît pas ça, parce qu'on ne connaît pas l'apprécier. N'importe quoi on va planter ici, dans notre pays à nous, ça lève. Du maïs, des pommes de terre. Tout ça, on va du coton. N'importe quoi on veut planter dans notre terre, sur notre terre à nous autres, on peut planter. Mais ça ne veut pas dire que les autres peuvent élever autant que nous autres, on peut élever ici. Hein? C'est une bonne région ici. Oh oui. Mais on ne connaît pas l'apprécier. On veut se battre. On veut se tuer. On ne connaît juste pas comment on l'a bien fait par la volonté du bon Dieu nous a donné. Quelquefois, Jean, comment simple on est. Tu connais?
Et quand tu jongles bien, que tu es ici juste pour une petite visite, et tu connais seulement pas comment visiter tant que tu es ici.